J'ai un petit problème. Oui. C'est-à-dire un petit problème. Alors, j'ai un petit problème. C'est que depuis que il y a quelques temps, j'ai vu une promotion sur un site internet. Ça m'a vraiment intéressé. Oui. C'était des peignoirs italiens. C'était en promotion. Les quoi, pardon? Des peignoirs italiens. Les peignoirs? Oui. Peignoirs de bain? Oui, des peignoirs italiens, oui. Qui normalement étaient extrêmement chers, hein, parce que c'est italien, donc c'est des peignoirs de luxe. Qui coûtait, si je me trompe pas, 1 825 €. Oula! Ah bah, punaise! C'est vraiment énorme. Ah oui, non, c'est pas. Ouais, c'est pas dans mes prix, moi. Je m'achète jamais de peignoirs à ce prix-là. Non, j'en ai jamais vu Lidl non plus. Je savais même pas que ça puisse exister. Voilà, donc ils étaient en promotion. Ils étaient à 1 €. Donc j'en ai acheté 2 pour moi. C'est une blague, là, hein, Didier. Hein. Bah, malheureusement, j'aimerais bien. J'en ai acheté 2. Juste un pour ma copine, un pour moi. Encore, j'ai hésité à en prendre d'autres pour les revendre. Ah, vous me donnerez le nom du site, comme ça j'irai m'en acheter. Oh, je peux en acheter 10 à 1 €. Vaut mieux ne pas en acheter. Allez-y, dites-moi. C'était une belle arnaque. Bah, vous avez pas tiqué, franchement, attendez. Bah oui, mais c'était sur un site qui me paraissait sérieux. C'était apparemment, il y avait des avis, les avis des personnes. Voilà, il y avait les gens sur le site qui disaient allez-y, allez en acheter. Mais c'est eux les avis, c'est eux les gens. Bah apparemment, oui, mais vraiment, ça avait l'air. Aïe, aïe, aïe. 1 €. Ouais, alors là, moi, j'aurais trouvé ça tellement gros. Oh, 1 €, Didier. Ouais. Attendez, un peignoir qui fait près de 2 000 € quand même. Et là, vendu à 1 €. Rien que ça déjà, ça vaut même pas le prix du timbre. Du timbre, du colis, quoi, de l'envoi, de l'expédition. Alors voilà, et après quelques recherches, donc je suis en train de faire un dossier qui se constitue contre le site, hein, parce que bon, voilà, c'est des arnaques. Je me suis renseigné sur sur les forums. Ouais. Apparemment, bah, c'est un site très très récent. C'est pour ça que j'avais trouvé aucune info auparavant. C'est un site très récent et c'est pour ça que je me suis fait avoir. Paraît-il que sur les sites comme ça d'achat de vente, il faut regarder tout en haut dans la barre du lien. Alors au début à gauche, il faut qu'il y ait la mention HTTPS. Ah oui, tout y était. Il y avait le S. Tout. Parce que le S est sécurisé. Oui, il y avait même le petit cadenas côté juste. Oh là là, ah oui, alors là. Fou, ah bah dis donc. Ah bah là, alors j'ai recherché les infos. Apparemment, je suis tombé grâce à une personne aussi qui faisait un dossier. C'est une personne d'Enghien-les-Bains, si je ne me trompe pas, qui monte un dossier aussi contre. Oui, mais enfin, s'ils sont à l'autre bout du monde, hein, vous pouvez monter tous les dossiers. Ouais, ouais, bah oui. C'est comme ça hein, que ça se passe. Hein. On ne sait pas, ils sont peut-être sur une île, hein, paraît-il que c'est comme ça que ça se passe. Ouais, et que des endroits où ils sont intouchables. Donc faire très attention. Hein. Internet, waouh. C'est un brocanteur qui s'appelle Gavin. Non, mais sans donner de nom, hein, on n'a pas besoin de donner de nom. Oui, hein. Oui. Mais enfin, bon, faut faire attention quand même. Hein. Bon. Nommer le Don, ouais. Pour vous dire. Hein. Ah, je sais pas comment il s'appelle, mais bon. Bon, Didier, bah écoutez, bon, 1 €, ça vous a pas coûté cher? Bah si justement. Bon attendez, 1 €, ça va, vous êtes fait avoir d'un euro. Bah non, j'ai payé de 1 825 €. Bah vous avez dit j'ai payé 1 €. Bah non, justement, je vous ai dit je me suis fait arnaquer. Je pensais payer 1 €. Ah avec votre carte bancaire? Oui. Ouh, quelle horreur. Ah ouais. Bah oui, justement, comme je l'ai dit. Ah oui, mais enfin, si vous êtes vous avez une assurance avec votre carte bleue. Et une assurance. Ah bah ça m'est arrivé avec la dernière, donc pour l'instant je suis un peu paniqué encore. Oui, mais avec l'assurance, de toute façon c'est systématique l'assurance. Hein. Donc quand vous prenez carte bleue, il y a l'assurance, automatiquement. Donc à partir de là, vous êtes couvert. Vous voyez avec votre banque, mais bon, normalement vous êtes couvert. Ok Didier, bon, faites attention la prochaine fois. C'est le Broken Game, c'est un truc. Bon, ok, allez, passez une bonne soirée. Maintenant, je voulais juste vous dire qu'aussi, à cause de ça, j'ai revendu mon cabriolet intérieur cuir que j'aimais vraiment. Non mais attendez, vous avez fumé quoi la soirée? C'est pas la moquette vous, hein? C'est carrément la moquette du théâtre de l'opéra, quoi. Bon, allez, je vous embrasse, passez une bonne soirée. Au revoir. C'est pas possible. Confiez-vous à Vanessa, 01 53 48 3000. Sa minute de gloire, hein. De temps en temps, il y en a qui aiment avoir cette minute de gloire. Ah ouais.